Bonjour à tous, bienvenue sur Emeraude.com. Martin avec vous en ce 23 janvier 2019. À mes côtés aujourd'hui, M. Patrick Chalier, partenaire associé avec moi chez Emeraude. Patrick, salut, comment vas-tu? Salut Martin, ça va très bien, merci. Bonjour à tous et bienvenue. Pour faire une suite, Patrick, à notre vidéo sur la débancarisation et souveraineté qu'on a fait la semaine dernière, aujourd'hui, on va parler de démocratie. Il est clair que non seulement les peuples aujourd'hui ne sont plus entendus par les politiciens qui, au départ, ont été mis en place pour écouter le peuple, mais n'écoutent pas le peuple, on a compris ça. On a encore énormément de doutes en ce moment sur les processus de votation qui sont mis en place. On utilise des technologies, si je regarde du côté des États-Unis, c'est des ordinateurs, hein, des technologies qui sont électroniques, qui peuvent être attaquées par n'importe qui a les compétences pour le faire, qui fait que si vraiment on vote démocrate ou républicain ou Donald Trump ou Hillary Clinton, on ne sait pas vraiment si notre vote est bien inscrit, parce qu'il y a un tiers parti qui fait la gestion de tout ça. Ma question pour toi, Patrick, et tu me vois venir, et tout le monde me voit venir, est-ce que nous avons des technologies potentielles aujourd'hui qui vont venir complètement changer tout ça? Oui, Martin, merci. Ben, effectivement, on parle évidemment ici de la technologie blockchain, hein, vous aurez deviné également, parce que la technologie de la blockchain, nous, on en parle souvent pour ce qui est du Bitcoin, etc., mais en fait, la blockchain enregistre des échanges de données, des échanges de... Ça peut être de la valeur, mais ça peut être aussi, par exemple, des votes. Il y a déjà des systèmes qui sont en train d'étudier en expérience pour faire des votes, notamment dans certains pays d'Afrique. Ça a déjà été mis un peu en place. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que surtout ce que ça fait, c'est que c'est complètement transparent. Et puis, c'est ultra sécurisé. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va ôter le doute qu'on peut avoir des fois sur certaines élections un peu partout, c'est arrivé plein de fois. Donc, on va ôter en fait le doute puisque tout est transparent et on peut tout consulter. Et on va en même temps accroître la sécurité parce qu'il est extrêmement difficile de pirater, c'est même quasi impossible en réalité, d'altérer les données une fois qu'elles sont écrites. Donc, ça convient parfaitement à un système de vote puisque les enjeux sont quand même très importants. Donc, évidemment, qui dit enjeu important dit peut-être manipulation. Mais dans une blockchain, l'idée, c'est justement d'enlever cette manipulation et ce doute. Donc, c'est pour nous, effectivement, un outil vraiment très, très intéressant, d'autant plus qu'en ce moment, avec ce qui se passe un petit peu partout, le commun des mortels, je veux dire, a envie de se réapproprier son pouvoir de décision politique. Et donc, la blockchain arrive à point nommé, justement, pour aider à faire cette transition, si tant est qu'elle arrive un jour. Quand on parle de transparence, Patrick, on imagine aussi à quel point on peut intégrer exactement la même technologie dans un processus d'entreprise privée, que ce soit les casinos en ligne où les joueurs ont la capacité, par transparence, de voir exactement le nombre d'argent qui a été redonné aux joueurs versus la quantité de profits qui ont été faits dans les casinos en ligne. Ça, c'en est un. Ensuite de ça, on peut voir au niveau des entreprises qui évoluent dans les jeux vidéo qui peuvent créer des outils virtuels et que ces outils-là, si uniquement il y en a seulement quelques-uns de disponibles, on crée un principe d'offre et de demande, alors qu'actuellement, si j'achète un jeu ou que j'achète un outil spécifique, une arme chez PlayStation, eh bien, je ne peux pas savoir combien PlayStation en ont vendu, donc cette arme-là n'a pas vraiment de valeur. C'est hallucinant de voir les développements technologiques qui peuvent être liés à la blockchain. Et il est clair, Patrick, que tout ça va changer complètement les secteurs économiques et les structures d'entreprise qui vont adopter cette technologie-là, bien au-delà des devises digitales telles que les gens peuvent les percevoir, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais, pour rebondir sur le côté casino en ligne ou jeu site de poker, par exemple, la blockchain intervient ici à ce moment-là également pour enlever le doute au niveau des utilisateurs qu'il y aurait une malversation au niveau des cartes ou de la combinaison de jeux ou etc. Donc, par rapport au vote dont on parlait avant, la blockchain, là, amène la même chose, le même bénéfice, c'est on enlève le doute et surtout, après, on sait que c'est le résultat, en fait, n'est pas trafiqué et ne peut pas l'être
de par la conception de la blockchain. Donc, c'est vraiment une avancée. Alors, c'est pour les joueurs, c'est peut-être pas une avancée, mais pour le vote, en tout cas, c'en est une. Excellent. Encore une fois, un gros merci pour les informations aujourd'hui, Patrick, concernant justement les outils qui peuvent être utilisés du côté démocratique, aussi au niveau des entreprises privées, entreprises dans lesquelles nous sommes déjà contributeurs, parce que nous avons analysé avec le service proactif ces entreprises-là depuis un certain temps déjà. Et vous allez voir ces entreprises-là fleurir avec les nouvelles technologies à venir. Joignez-vous à nous, un plaisir de vous retrouver. Passez une belle fin de journée. On ne manquez pas la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bye bye.